Et ok! Yes, salut à tous, c'est Ricardo. On est parti pour la suite de nos énigmes quotidiens sur 4IL. Avec, j'espère, trois nouvelles catégories ou deux, hein, si vraiment j'ai pas le temps. J'ai la vitesse que je peux. Et donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour cette première partie de la Vive la technologie? Eh ben, on va regarder ça tout de suite, allez, on enchaîne. Et avant toute chose, je tiens à m'excuser. J'ai mon nez qui coule comme une fontaine, donc je vais me moucher très souvent. Alors, jouez avec les flèches pour permettre à tous les robots d'atteindre l'objectif quand vous donnez un ordre. Ils partent chacun leur tour, avançant droit devant eux, tournant dans la direction dans laquelle vous avez défini les flèches à laquelle ils passent. Vous pouvez désactiver et réactiver les flèches simplement en sélectionnant, les robots passent sur les flèches. Ah, voilà, d'accord. Vous perdez si un robot est coincé dans une boucle ou sort de la zone. Vous perdez également si un robot touche un autre ou passe sur la case de départ de l'un des autres. Ah, la technologie. Quoi? On peut pas passer par la case de départ, attends. Tac, 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 tac. Oh putain. Oh putain, je suis obligé d'utiliser ça. Oh là là, la visée de merde. Voilà exactement ce que je veux pas. Je peux vraiment pas. On s'en fout du truc. Ouais, faut vraiment que je le fixe. J'arrive à le fixer, c'est gagné. Voilà, c'est bon. Il ne devrait pas y toucher. Alors, plat, 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 ça c'est bon. Lui, il fait tac, 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 tac. Tac, 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 ça c'est bon. Lui, il fait tac, 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 ok. Lui, il fait tac, 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 tac. Je pense que peut-être... Oh, en plus, je peux échouer. Nom d'un petit bonhomme. Ok. Je perds des points. Attends, j'ai désactivé, non? Oh là là. On sait pas après dans quelle heure ils sortent. Ok. Je dois être sur la bonne voie. Mademoiselle Layton y arriverait en un instant, bien sûr. Ok. Si je touche pas... Si je touche pas à ça... Ça devrait aller. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on sait pas trop... Ça c'est le niveau 1, donc ça fait jouer comme ça. Tac, tac. Là je pense que on peut déjà enlever. Ah, je suis limité. Ah, je suis limité. J'avais pas vu. Ok, ok, j'étais pas préparé. Mais alors, pas du tout. Ok. Bon, est-ce qu'on peut savoir dans quel ordre ils partent les robots? À la fin, quand il va y avoir des erreurs, c'est sûr. Je pense que peut-être. J'ai pas encore compris dans quelle heure sortent les robots. C'est la seule info qui me manquera à chaque énigme pour l'instant. Mais bon, après deux énigmes, j'ai compris que. 1. J'ai que 4 trucs à enlever, c'est marqué en bas à gauche. Et de deux, ben, faut vraiment regarder quoi. J'ai un, puis ben, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire l'un à côté de l'autre. Tac, 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 hein, c'est bon. Le troisième, il va faire tac, tac. Et il est dans une boucle.
Non, si ça me plaît pas trop. C'est pas chaud. Je dois être sur la bonne voie. Un petit peu de lag. Quel soulagement. Un petit peu de drop. Vraiment sûr. Et un streamer qui est pas en forme. Bon. J'essaie de faire mon mieux. Non. Non. Déjà, ce qui est sûr, c'est que celui-là, c'est non. Celui-là, c'est non. Partir par là ou partir par là. Toi par exemple tu fais ça, c'est pas. T'aimes pas l'un côté de l'autre, c'est bizarre. Ah non, tu peux faire comme ça. Toi c'est bon, tu fais comme ça. Toi, tu pars par là, t'as pas le choix. Toi tu peux partir tout droit, y'a pas le choix. Comme ça, et toi tu fais ça, 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 c'est bon, et toi tu fais ça, c'est pas grave. Moi ça me paraît bien. Je fais même pas attention aux chiffres de combien je suis limité pour l'instant. Je dois être sur la bonne voie. Quel soulagement! Y'a que du niveau 1 pour l'instant. La difficulté très vite. On a 22 en plus. 22, donc faut pas les gagner. Donc toi tu es obligé de partir comme ça. Toi c'est bon, toi c'est bon, toi c'est bon. Toi c'est bon, mais pas de soucis. Là, toi, toi par contre c'est pas bon de partir comme ça. Donc obligé de faire ça. Là on est obligé d'enlever celui-là, sinon c'est la merde. Et on va être obligé d'enlever celui-là, sinon c'est la merde. Qui fait que ça remonte. Ouais, j'ai enlevé ça. On va enlever celui-là. Et c'est bon pour moi. On n'a pas vu le petit lag. Gros temps d'animation. Bon, j'ai quelques astuces, mais petite cellule grise au travail. Apparemment, que je pense j'ai à dire le truc. Cette énigme. Marquez, celui qui a mis ses flèches devrait avoir devait voir double. Les robots font n'importe quoi. Pouvez-vous réparer ça? Merde. Bon, lui c'est mort. Tac 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 tac. Est-ce que ça serait pas mieux? Ouais. Oula, c'est pas bon ça. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu fais ça, on va voir, ça va pas être pour un sou. Tu fais ça. Ça, ça, tu obtiens tac 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 tac, ça c'est bon, ça ça part là-haut, ouais, celui-là il part, c'est le tour, et celui-là il repart par là-haut, c'est bon, c'est d'en haut à gauche, en bas à droite, ok. Au bout, ils peuvent pas se croiser, c'est pas possible. Non. Tout va bien. On aura de la chance d'y arriver. Apparemment, j'ai résolu cette énigme. Ça, c'est fait. Vivant. Direct niveau 3. Niveau 3. On recommence par celui qui est là.
Tac. Bon, déjà, on peut tomber celui-là, mais c'est peut-être le piège. Celui-là, il peut faire ça, mais ça fait une boucle. Mais après, il peut croiser là-bas. Donc, on peut faire comme ça. Tac, 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 tac. Tac, 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 c'est bon. Celui-là, c'est bon. Celui-là, ça me plaît. Et celui-là, il me plaît aussi. Encore une fois, c'est comme un bonheur. J'ai pas regardé le nombre de flèches disponibles. Hein. De la luck, hein. Que ça coïncide, hein. Oh putain, 17! Ah ouais, quand même. Et j'ai touché. Je suis obligé d'attendre. C'est bon, c'est bon. Allez. Là, il y a un conflit. Je sais même pas si je peux continuer. Il peut redescendre jusque là. Le problème, c'est qu'il va croiser le deuxième. Il est obligé de descendre là. Donc, je suis obligé d'enlever ça. Et là, je suis obligé d'enlever ça. Je suis obligé d'enlever ça. Toi tu fais quoi? Tu fais ça, mais ça pue. Ça pue aussi, ça remonte. Ça pue. Toi ça fait ça, donc ça fait ça, ça, ça redescend aussi, donc ça c'est cool. Toi tu vas par là, donc c'est mort, ça remonte, ok ça n'arrive rien. Toi ça pue, donc tu vas revenir ici et toi. Vous venez tous ici. Ah, allez, celui-là. Ça fait ça, ça fait ça. Ça fait ça, ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ça. On va se refaire. Et ben voilà, on l'a. Comment ça se réunir en fait? Désolé s'il y a quelques lags, hein, celle-là c'est la DS, c'est le PC. C'est même pas les drops. C'est pas très grave normalement, vu que c'est une énigme. Mince, c'est pas simple. C'était un niveau 2 ça. J'ai résolu cette énigme. C'était un niveau 2, ça fait un peu peur quand même. On en est où là? On a bientôt fait la moitié. Attends. On avance. On avance. On se coupe. Enfin, c'est mort. On va voir après. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Et ça c'est mort. Ah. Ok, ça c'est comme ça. Ça lui fait plaisir. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Ça c'est tac 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 c'est bon. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Ça rejoint l'autre, ça c'est mort. Où est le problème? Ici, c'est mon problème. Voilà. Il manquait une flèche, j'ai vérifié. Hein. Chance d'y arriver. Ah, vous voyez, j'en suis capable. Les quatre d'anime, c'est la merde.
paf, paf, ça se croit, c'est la merde. Je pense que je peux faire ça, ça. Alors ça part comme ça. Ça remonte. Là, on est bon. Deuxième. Tac, tac. On les croise pas. C'est lequel qui merde. Après je peux merder là, j'ai peur de me tromper. Enfin ça va. Et il va rejoindre le circuit des autres. Hein. Qui remonte par donc c'est nickel. Une énigme, c'est comme un bonus, il faut le savourer. Je suis un chien héros. Vraiment suivre les circuits de chacun d'entre eux et de vérifier s'ils vont se croiser ou autre chose. Par contre, j'ai ça, une gêne à nouveau. Sort de merde. Allez là. Allo, pour l'instant ça va. Là ça me fait pas. Toi, on va se débarrasser de quelques flèches dont on est sûr que ça partira en couille. Ok, là ça part moins en couille du coup. Bam 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 bam. Voilà, cette flèche elle me plaît pour ici, je sais pas pourquoi. Après il y a le piège du fait que je peux passer comme ça en fait. Et je crois que de base, je peux pas passer par là où il y a les robots. Je pense que ce délire là. Non, on peut pas, là on peut. Ça fait beaucoup quand même. On fait tous les trucs côte à côte. Je peux faire ça. Tac, tac. Et ça repasse comme ça. Ça sent pas bon ça. Ça, ça sent déjà beaucoup mieux. Le problème c'est que ça repasse. Ah putain c'est en bas. Non mais on va le refaire correctement parce que ça je peux peut-être le laisser. À prendre celui-là déjà. Déjà je peux décider de continuer ou descendre. Si je descends ça fait tac tac tac. Tac tac on avait dit. Tac. Ça descendait comme ça. Pour remonter. Alors, je vais juste savoir si ça passe ou pas. Que ça part pas. Non, ça peut pas repasser. Ok. Ok, ok. Ces énigmes, j'en fais mon 4 heures. J'ai dû perdre la patte. Pour une fois. Donc, ils ont le droit qu'à un passage. Ça, c'est important. Alors, je voudrais bien que tu me refasses toutes les flèches parce que sinon, c'est un peu la merde. Ok, c'est là le secret. Là, on a de la difficulté. Tac, tac, tac. Tac, tac. Tac. Pour l'instant, on part sur ce principe. Toi, on est bon. Toi. Ouh là là, toi, c'est toi qui va tout gérer, en fait. Fais ça, mais après tu te contredis. T'es obligé d'enlever celui-là. Tu redescends pour pas passer comme ça. C'est que deux côte à côte, ça fait peur. Hein. C'est ça qui me. Tu passes par là. What? Comme ça. Je peux pas. T'es obligé de le faire comme ça. On met ça.
descendre. Descendre, on va partir. On va remonter comme ça. Toi, tu peux passer comme ça. Ah, il y en a plus. Allez. Waouh. C'est celui-là qui va me poser plus de problèmes. Tu peux pas faire demi-tour. Je vais pas faire demi-tour dans les deux cas. Qu'est-ce qui m'énerve? Tu peux pas. Et lui, tu peux pas. Lui, tu peux clairement pas. C'est pas possible. T'as ça qui fait qu'ils vont faire demi-tour, donc c'est la merde. Et là, tu peux continuer. Tu peux pas, sinon ça refait la même. Merde. Je peux pas le refaire comme ça, c'est pas possible. Je suis vraiment obligé de le faire comme ça. Et là, je suis coincé. Mais c'est de la merde. Juste en haut à gauche. Ouais, non, c'est. Ces énigmes, j'en fais mon 4. Ok. Ce n'était qu'un échauffement. Là, on part. Là, on va communiquer. Là, ça va prendre du temps. On est bon. On va bien se marrer. J'ai un truc illogique. Hein. Ça aussi qui me casse les couilles. Allez. Là, tu me casses les couilles, c'est parfait. Alors pourquoi lui, j'arrive pas à comprendre le schmilblick. Ça, je peux pas. Quoi qu'il arrive, ça. Faire ça, ça fait demi-tour quoi qu'il arrive, donc ça, c'est la merde. Je peux pas le laisser. Ça, je peux le laisser. Tourne à gauche, y'a pas le choix. Là, pour redescendre, c'est bon. Là, je peux très bien le mettre à droite. Le problème, c'est que comme il est déjà passé par là, je peux pas le refaire passer par là. Donc je suis obligé de l'enlever. Et là pareil, si je fais ça, c'est la merde. Parce que je repasse par la case départ et je repasse par l'autre robot. Je suis obligé d'enlever les deux. Mais ça, il veut pas. C'est ça qui est incroyable. Et je ne peux pas résoudre ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont fait bugger le truc, c'est... Ils ont complètement foiré leur truc. Ils ont foiré le truc, c'est pas possible. Ces énigmes, j'en fais mon 4 heures. C'est normal, je voulais tester. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit bien passé? Il a fait ça. Les flèches inactives, on peut passer plusieurs fois. Ok. Ah, je l'avais pas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh le cerveau. Oh le cerveau. Ah oui, c'est côte à côte, ça pas. Ça plaît pas trop. Ça ne plaît pas trop. Moi je peux faire. Tac, tac. Ta 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 ta.
ta 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 ta. Il y avait une info que j'ai oubliée. Ah, j'ai bien fait de tester, hein. Ça va aller beaucoup mieux. Hein. Plus j'aurai des infos, plus je saurai comment fonctionne le casse-tête. Plus ça va aller tout seul. Ça, ça, ça a pris beaucoup de temps celui-là. Ça va. Pas très victoire trop tôt. Hein. Le dernier est bon. Ok, à niveau 3, tu m'as appris que les flèches inactives, tu peux repasser plusieurs fois. C'est vraiment une fois la flèche. Pour éviter les boucles, j'imagine. C'est pour ça que... C'est un anti-boucle. C'est un anti-boucle. Alors, ça c'est mort. Attends, ça c'est mort. Ça c'est mort. Alors, si on part de ce principe. Hein. Ça je peux le faire. Hein. Je peux faire comme ça. Hein. Faire comme ça. Hein. Comme ça. Toi. Voilà, ça tout est sympa. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ça pour revenir sur le truc, d'accord. Oh là là! C'est horrible. Ah, c'est encore plus qu'une flèche, c'est pour celui qui est là. Redescendre. Incroyable! C'était un bordel, hein. À force d'enlever des flèches, j'ai commencé à regarder combien il en restait et c'est passé. Hein. Fallait pas avoir peur sur celui-là de faire ça. Avec le petit astuce comme j'ai fait tout à l'heure, tu vois, maintenant que j'ai appris l'info, c'est entré et j'ai appris à le maîtriser ce truc. Allez, il va faire le grand tour. Hein. C'est tout le circuit. Lui. Presque. Cette énigme a du mordant. C'était trop facile. On reprend le bon rythme. On est à 28 minutes. Un petit peu d'avance pour bref. 4 étapes. 4 chapeaux. Le 4 chapeaux. Alors, bim bim, t'es mort ou bim bim, t'es mort. On va être obligé d'aller là, quoi qu'il arrive. Comme ça, on le sait. Toi, je vais t'enlever là. Toi, tu peux aller soit là, soit là. Dans les deux cas, ça, ça va gêner, je pense. Voilà, pour l'instant, ça va. Toi, obligé de tourner à droite là, mais pas le choix. Ensuite, est-ce que je te fais faire ça, sachant que l'autre, tu peux faire un boucle de merde. Redescendre, partir par là. Et tu fais déjà ça, donc si je fais comme ça, tac, tu remontes, tu redescends comme ça. Tu repasses comme ça, tu fais ça et tu fais ça. Okay. Toi, les deux là, c'est bon. Explique-toi. Tu vas là, tu fais un, tac, tac. Pour l'instant, ça me plaît. Là, ça me plaît moins. Et là, tu reprends le boulot. Oh, c'est nickel. First try. Et là, je merde. Non, ils reprennent tous la boucle, normalement. Sauf celui en bas à droite. Je me suis fait peur sur celui en bas à droite alors que je l'avais déjà bien maîtrisé. J'aurai bientôt trouvé la réponse. C'était un jeu d'enfant pour une profileuse qualifiée. Voilà, ça c'était. Je crois que c'est à peu près mon niveau. Le 5, il va me faire peur. Le 5 va vraiment me faire peur. Ça, on va enlever déjà ceux que, qui sont évidents. Hein. Ça. Ça va. Et ça. On va
Là, première astuce. Bâtard. Alors, ce qui est bien, c'est que les deux qui sont là, ils ont l'air de se rejoindre. Donc, déjà, c'est un bon truc. Après, je peux faire en sorte. Non, je peux pas faire en sorte. Je peux pas faire en sorte. On sort. On sort. On sort. On sort. On redescend. Comme ça. Et il redescend. Et lui, il va reprendre les autres. Ça, c'est bon. Celui-là. Est-ce que c'est mieux de le continuer par là? Non, parce qu'il y a lui. Donc lui, déjà. Hop. Ensuite, je peux le faire là ou je peux le faire là-haut. Tac. Tac. Il me reste 3. Enfin, je suis là. Tac. Tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 et rejoins les autres. Ok, les 8. Et c'est bon. La boucle est bouclée. Je crois que j'ai pas tout activé par accident parce que c'est ce qui peut arriver. À 5, je pense que ça va être ça la difficulté, c'est que je vais vouloir désactiver un truc qu'il faut pas pour les autres. Je fais plus du tout attention où ça en est, mais... C'est ça le vrai secret, c'est de voir quel parcours certains robots sont capables de se rejoindre rapidement ou pas. À 5, je pense qu'on va avoir ce genre de truc où ils sont très éloignés les uns des autres. Ces énigmes sont très simples quand on applique les bonnes méthodes. Avec un parcours légèrement différent à chaque fois. Hein. Voilà, on va se retaper, hein, tiens. Bim. 5 étoiles. Ça commence par tu vas à gauche, pas le choix, tu vas en bas, pas le choix. Et là, j'ai deux virages possibles par là. Je crois qu'il y en a un qui fait la contradiction et l'autre qui fait ça. Moi, ce que j'aurais aimé faire, c'est ça direct. L'autre qui fait ça direct. La remontée. Et si je le mets là, je suis bloqué là. Donc j'ai oublié de le laisser comme ça. C'est là le problème. C'est celui-là qui prend le jeu. Là, donc on est ici, ça redescend. Là, ça remonte. Alors attention. Je pense que j'ai pas trop envie que ça remonte en fait. J'ai envie que ça continue. J'ai envie que ça finisse là. Mais est-ce que c'est nécessaire ou pas? Oui, c'est nécessaire. Toi! Toi, c'est... Toi, c'est cacaverc. Toi aussi, t'as un cas de ouf. Hein. Paf! C'est-à-dire que je vais devoir t'enlever un truc ici. Pour que tu puisses descendre ici, remonter. Et partir par là. Pour remonter et rejoindre l'autre qui est là-haut. D'accord, donc toi, tu pars comme ça. Ah, j'en ai plus. Ah, c'est là le problème. Ok, ça fait beaucoup trop. Je m'en doutais que ça serait un peu trop. J'ai surtout pas trop le choix, c'est ça le problème. Je suis obligé de t'enlever. Si tu fais ça et que tu descends, je te laisse. Si je te laisse pas ça, ça va pas le faire. Donc on est toujours sur ce délire. Ok, toi. Toi, tu rejoins ça, y'a pas de soucis. Et toi, tu rejoins comment? Tu rejoins comme ça. Voilà. C'est gratuit. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de flèches, hein. Imaginez quand j'en ai marre beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai désactivé en fait une flèche. On a des guides. Le dernier, hop, il est gratuit. J'ai compris comment ça marche. Voilà le travail. Alors c'est bien, il y a quelques forcing qui fait que ça aide aussi. Hein. Il me reste 7 à faire en 26 minutes. Ok. J'ai pas vu quelle est la difficulté de ce jour. Ok, donc tu fais ça obligatoirement. Hop, ça dégage. Paf, ça remonte, ça redescend. Ça passe par la gauche. On peut faire ça, ouais, pas de soucis. Tu peux partir par là, pas de soucis aussi. Ça dégage. Ça remonte. Contradiction, j'ai dit. Donc toi, du coup, tu rejoins, c'est nickel. Et toi, tu rejoins. Ok, les deux là, c'est bon. Toi, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage aussi. Déjà, ça fait gagner du temps. Voilà. 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 Il ne reste plus qu'un pour le dernier. Attention.
Attention. Ça, celui-là. On est bon. Pour prendre en compte le paramètre qu'il y a plusieurs robots à la fin. Après, je sais pas si j'ai de la chance de tomber sur le robot qui donne le parcours général. Cette énigme a du mordant. C'est un niveau 3. Je suis un chien héros. C'est-à-dire qu'on est au dernier niveau, c'est-à-dire qu'il y aura pas plus grand que ça. Il est simple que ça. Tranquille. Tranquille. Number 300. Déjà. Oh, oh, j'ai vu, il y en a. Il y a Bobo, hein. Y'a Bobo. Y'a Bobo. Y'a Bobo. Non, 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 non. C'est ça. Non, mais on va se faire enlever les trucs. Hein. Les trucs qui perturbent. Et là, ça peut se rejoindre. Y'a pas de soucis. Voilà, donc on élimine. Hein. Donc, lui, nickel. On va pas se prendre la tête. Lui. Lui. Lui, ça prend fort. Hein. Il me reste 8, hein, c'est ça, quoi. Si je fais ça là, je redescends comme ça. Je pense que j'ai pas le choix, hein. C'est celui-là qu'il faut que j'enlève, de toute façon. Du coup, je vais enlever celui-là et faire comme ça. Alors, est-ce que ça va changer les trucs? C'est ça le problème. Lui, par exemple. Là j'ai pu rattraper ici, ok. Ça, c'est bon. Lui il passe comme ça, il n'y a pas de souci. On reste 5 flèches à trouver. Celui-là. 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 Il y a beaucoup trop de flèches. Hein. Il y a un problème. Celui-là, il va tout de suite ou pas? C'est pas mieux de le prendre comme ça, non? Lui, il reprend le chemin des autres, donc ça y a pas de souci. Lui, il passe nickel. Lui, il remonte là. Je peux pas plutôt remonter là pour. Ah non, je vais monter là. Je vais oublier de le mettre comme ça. Je vais faire monter. C'est comme ça. Et lui, passe au poil de cul. Ils passent tous au poil de cul normalement. Alors, je vais peut-être me tromper. Hein. J'ai oublié de regarder celui-là. Normalement, il paraît. Oui, il paraît bien. Oh, bah j'ai. Il correspond avec celui en haut en fait. J'ai pas fait attention. Mais... je fais en sorte que chacun rejoigne le parcours. Hein. Il y en a beaucoup qui font le parcours que j'ai pas déterminé. Pas de soucis. Tranquille. J'aurai bientôt trouvé la réponse. Ah, c'est que du 4 et du 5 alors. Résoudre cette énigme. Ah bon, ça va, ça va, ça va. C'est jouable, c'est jouable. Je préférais pouvoir mettre 5 minutes chacun d'entre eux, le problème c'est qu'il y a le 22e. Alors, ça, j'ai été obligé d'enlever celui-là, c'est une blague. Celui-là, ça me paraît tellement évident de l'enlever. Oh là 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 là. Il n'y en a pas un seul qui. Il y a celui-là qui se contredit. C'est-à-dire que j'ai pas le choix, voilà. Il est là le début. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ouais, pour l'instant, ça va. Ça fait tac. Du coup, je suis vraiment obligé d'enlever celui-là. Ok. Ça fait ça. Ça fait ça. Celui-là il fait ça, il remonte, comme ça il n'y a pas de soucis. Celui-là il fait ça. Il va par là. Et il repasse par exactement par le chemin. Non, pas ça. Il passe comme ça. Il passe comme ça. Et lui
Allez, il va passer comme ça, donc normalement c'est bon. Comme ça, tac tac tac. Tac tac. Non. 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 Oh, deux trucs après derrière. Oh, putain. Ok, c'est là mon problème. Ça. Ça monte, ça redescend, ok. Ça monte comme ça et ça redescend. Ok, j'en ai plus. Ouais, c'est bon. Ça me paraît bien, mais j'ai pas tout vérifié, donc ça pue le caca. Je le sens fort. Hein. Ouais, ça suit le parcours, donc c'est pas mal. C'est merdé, c'est sûr. Première vie. Pour l'instant ça va, c'est là que ça... Lui il suit le parcours, donc ça va. Lui il suit le parcours, c'est le dernier, voilà. C'est lui que... Il redescend, lui. Non il suit le parcours, c'est bon. Tout va bien. C'était le bon move. Une fois les données rassemblées, la réponse s'impose logiquement. Tranquille. Ces énigmes sont très simples, quand on applique les bonnes méthodes. Tranquille. A peur, mais ça va. Ça va tranquille. Toi c'est bon. Toi je te vois tout de suite aussi. Faut tout de suite les bons réflexes. Tac. Corrige les bons réflexes. Là, toi tu dégages, merci. Et toi tu dégages, merci. Ok, il me reste déjà 10 moves. Il y a un bon début. On voit déjà les trucs imposés. Du coup, comme je suis fait celui-là je peux pas, donc c'est celui-là que je peux enlever. Je commence à comprendre la logique. Je m'améliore au fur et à mesure. Ah oui, par contre, si tu fais ça, ça fait tac, 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 tac. Donc ça passe. Ça passe, il n'y a pas de souci. Tu peux repartir par là, il n'y a pas de souci, à condition que tu remontes derrière. Si on part de ce principe-là, tu remontes derrière. Donc tu me refais la merde, non. Non. Ah, par contre, à côté, tu peux pas, d'accord. Ça fait ça, ok. Et non, je suis vraiment obligé de le faire comme ça. De le faire remonter par là, pour le refaire monter par là. Tu redescends, ça c'est bon. Tu remontes, tu restes là. Toi, c'est bon. Toi, du coup, tu suis le parcours, c'est nickel, on va dire. Toi, tu remontes comme ça, y a pas de soucis, très bien. Toi, tu peux, il me reste 4 moves. Ok. Toi, toi, tu vas par là, mais tu vas remonter tout de suite. Tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas faire ça, et tu vas faire ça. Toi, c'est bon. Et toi, je t'ai pas vu. J'en ai oublié aucun, j'espère. Je vais servir un verre en attendant. Sans regarder. Ça, si j'ai fou, je sais pas où c'est. Ah bah c'est nickel. Sans regarder. Bon, en vrai, j'avais le retour. Voilà une énigme intéressante. Non, oh, c'était un 5. Les énigmes sont faites pour être. C'était un 4. J'ai sous-estimé. J'ai trop surestimé, pardon. C'est pas sous-estimé, c'est surestimé. C'est le contraire. Alors que les 3 derniers, c'est du. C'est du ou putain. Oh. À 5 minutes par énigme, c'est bon. Wow, il n'y en a pas beaucoup. 13 moves. Alors ce qui est bien c'est que là je vois clairement que je suis obligé de faire comme ça. Donc ça dégage. Ça dégage. Ça remonte du coup ici. Ouais, ça se rejoint avec l'autre. Hein. L'autre il rejoint ici. Ça dégage. Et ça dégage. Moi ça me paraît bien.
Lui, par contre, il va redescendre. Ça aller à gauche. Il va remonter et il va suivre le truc. Ouais. C'est les deux en haut que ça va partir en couille. Donc, si je fais ça, ça redescend. Et dans les deux cas, ça dégage. Ça va remonter. Ça va par là. Ça redescend. Ça va par là. Je pense que je peux l'enlever. Hein. Je peux l'enlever. Et toi, ça fait tac. Et tac. Attache-toi. Si je vais par là. Ça monte dans les deux cas, ça part en coup. Ça, je vais pas l'enlever. Ça, je l'enlève. Ça, je l'enlève. Tac, ça redescend. Et ça va suivre tranquillement le parcours. On est bon. Je pense qu'avec une petite base aux échecs, ça se résout plus facilement. J'ai compris comment ça marche. Aucun mystère. Il faut voir assez loin. Hein. Celui en haut à gauche, il est technique dans le sens où il y avait des flèches là-haut. Il fallait faire un choix sur celui qui est en haut à gauche. Donc soit continuer, soit lâcher prise. Hein. Et j'ai lâché. Et on va le laisser pousser en enlevant la flèche. Ça va, ils étaient encore tous les quatre séparés, donc ils étaient tranquilles. Bah là, ils me laissent pas le choix de partir vers le haut, sinon c'est la merde. Donc déjà, on a déjà un bon début, là. Là, pareil. Le truc, là... Là, on sait plus, après. Celui-là, obligé à monter. Donc, hop, rejoins celui-là. Donc déjà, on a un bon truc parce que les deux se rejoignent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Lui, obligé de partir, donc ça dégage. Et après il redescend, d'accord. Lui il redescend, donc ça dégage. Lui il est obligé de descendre, donc ça dégage. Et lui il va rejoindre lui. Donc du coup maintenant ce qu'il me reste, 11 moves. Beaucoup de moves. Pour équilibrer la donne. Sachant que... Ils se rejoignent tous ici. Donc ça descend là. À partir de là, ça passe pas. Ça remonte. Lui il part, il descend. Maintenant je peux le faire remonter et le faire partir comme ça. Et je peux faire ça. Mais lui je peux plus, non, c'est lui que je peux pas. Je peux pas m'amuser à faire ça. C'est lui vraiment que je peux pas. Je suis obligé de faire ça et la contradiction est là. Du coup il part par là. Ah c'était ça mon problème. Il redescend. Après il remonte là. Pour repartir comme ça et redescendre, ça pue. Je sais pertinemment que ça pue. Ça, plutôt comme ça, ce serait mieux. Voilà, et là on part là-haut. Et maintenant, est-ce que je remonte ou est-ce que je descends? Si je descends, ça fait ça. Ça part, ça remonte. Tac, tac. La question c'est... ouais, la question c'est de savoir où est la flèche qui me mène vers l'arrivée. Je suis un peu con. C'est celle-là qui me mène vers l'arrivée. Et pourquoi je l'ai enlevée celle-là? Pour le mettre là. Donc, le but c'est de remonter, il me reste 8 coups. Ok, on a un gros souci de... Le parcours, il est pas beau. On repart de ce robot, c'est lui qui commence le game. Et comme ça. Il redescend. Il remonte là. Non. Il remonte pas là, il remonte là. Il remonte là. Du coup, il remonte comme ça. Il me reste 3 coups. Lui, il redescend, ouais. J'ai
l'impression que je me suis fait enculer, mais je sais pas pourquoi. Ah, je sais. Oh, c'est horrible. Je crois que la difficulté, c'est quoi que ça. Ok, virage, virage. Continue tout droit. Ça, c'est bon, mais je crois qu'il revient pas après. C'est bon, virage, virage. Remonte. Redescend, ça c'est bon. Là tout droit, alors que tout à l'heure il passait par là. Par le haut, donc il ne va pas y avoir de problème. Redescend. Pour l'instant, lui c'est bon. Lui. Continue tout droit ici, attention. Continue tout droit ici, remonte. Remonte. Non, il descend comme ça. Ah, mais non, mais lui, je suis obligé de. Attends. On va la refaire à zéro parce que ça passe. On va faire les trucs qui sont obligatoires. Ça, c'est obligatoire. C'est ça qu'il faut que je lâche. C'est ça qu'il faut que je lâche. C'est à cause de ça. C'est là mon. Voilà. Ça, je suis obligé d'y toucher. 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 Ok, il arrive. C'est ça. Du coup, la seule flèche qui me permet d'aller là, c'est cette flèche-là. Donc, c'est celui-là qu'il faut que je lâche. Il y a aussi celle qui est là. Donc, je peux lâcher les deux qui sont là. Donc, ça va venir soit d'en haut, soit d'en bas. Maintenant, la question, c'est par où je passe. Apparemment, il y a trop de flèches qui me dit c'est mort pour aller là. Donc, ça va être par le haut. En théorie, ça fait ça. Ça dégage, ça dégage, ça redescend. Alors, je sais pas si ça va redescendre, si ça redescend là. Admettons que ça part comme ça, comme ça. Là, ça repart, là, ça remonte, là, ça remonte, là, ça repart. Là, ça remonte. Allez, c'est le moment. C'est le moment, oui, tu sais. Tu sais où ça merde. Tu sais pertinemment où ça merde. Tu sais où ça commence. C'est plutôt chaud quand même. Tu sais que c'est là que ça va se finir, mais tu sais pas dans quel sens. Lui. Soit je le fais maintenant, soit je le fais après. De toute façon, je peux pas le faire à côté. Donc je suis obligé de le laisser. Donc ça fait ça. Ça descend. Pour l'instant, ça va. Moi, ça me plaît. Ça me plaît toujours. Là, ça me plaît moins, mais j'ai pas le choix. Du coup, je peux faire comme ça. Pas le choix. Pas le choix. On remonte. On va à droite. On peut aller à droite tout de suite ou après, mais après, c'est mort. Ça fait ça. Pas le choix. Ça repart par là. Ça fait comme ça, ouais, pas de soucis. Et comme ça. Celui-là, on est bon. Celui-là, il va rejoindre. Celui-là, comme ça. Donc, ça, y a pas de soucis. Celui-là rejoint le parcours comme ça, il n'y a pas de soucis. Celui-là va rejoindre le parcours comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça, mais comme ça. Voilà. Il rejoint le parcours comme ça. Il n'y a pas de soucis. Toi, tu rejoins le parcours comme ça. Et toi, tu rejoins le parcours comme ça. Enfin. J'ai un peu galéré sur celui-là. Mon approche c'était de savoir quelle est la flèche. Parce que c'était ça l'indice. La contrainte plus les deux zones où il y aurait une flèche qui permet d'aller au drapeau. C'est ça qui m'a sauvé un peu. J'ai compris comment ça marche. Les énigmes sont faites pour être résolues. J'ai cru qu'il me restait deux énigmes, il me reste plus qu'une. Il me reste plus qu'une énigme en 5 minutes. Ça va. Ça va. On peut le faire.
comme ça déjà, pop pop pop. Ça me plaît, ça fait descendre un peu, tranquille. Ok, bon après c'est un peu trop hein. Si je fais ça c'est la merde, ok, donc déjà très mauvaise idée. Mais à 14 moves en plus, oh là là, c'est beaucoup. Bon au moins lui j'ai au moins une petite contrainte, je suis obligé de le faire comme ça. Oui, il y a que des flèches comme ça. Ah oui, faut faire gaffe. Ça monte, je peux me permettre de repartir par là, faire ça, redescendre. Et les trucs de ouf. Et là, il y a justement ce que je redoute, à savoir. Je pense que le mieux c'est de partir comme ça. Ça se dégage. Ça sert à rien de revenir comme ça. On est bien. Voilà. Deux robots sur quatre. Alors maintenant c'est comment je fais pour aller tac tac. Oulala. Ça j'ai pas le choix. Ça j'ai pas le choix. Ok, il part vers le haut en fait. Okay. Donc lui il part comme ça. Il peut redescendre comme ça. Du coup il rejoint le truc qui est là. Ok. Ça monte. Il reste 3 coups. Alors. Là. Là. Ensuite ça descend. Ensuite ça voilà. Et ça remonte vers le parcours. On est bon! Il y a quand même un truc, ils auraient pu encore augmenter la difficulté en mettant des flèches que tu es obligé d'enlever. Des flèches où il y a un robot, il est obligé d'avoir deux flèches. Alors je sais pas si j'ai eu le droit à ce genre de truc hein, par accident, mais il y avait moyen de faire chier en faisant en sorte que le premier robot il passe double flèche par accident et ça nique l'autre truc qui doit bouger. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, au moins j'ai maîtrisé la technique. On passera au suivant dans quelques instants. À tout de suite les gens.